suis en train de designer là. Je suis en train de faire l'épée de légende de notre serveur. Donc c'est pas l'épée de légende de Zelda. Hein. C'est l'épée du serveur Pyroland. L'épée de la plus grande puissance si vous préférez. Yo, trop cool. C'est vrai que je perds beaucoup de vie avant. Je sais pas, ça doit être la mise à jour. Coucou. Vous n'auriez pas vu un sac de gyrostate d'Ouemer traîner dans le coin? J'étais sûre de l'avoir laissé ici. Les Vazar me l'ont peut-être pris. J'en ai vu un pas loin l'autre jour. Il m'a sûrement suivi jusqu'ici. Essayez de le trouver, vous voulez bien? Isran veut me voir? Non, vous devez faire erreur. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a très clairement fait comprendre que mon aide ne l'intéressait pas. J'ai du mal à croire qu'il ait pu changer d'avis. Oh. Il s'est montré particulièrement blessant envers moi avant mon départ. Dans tous les cas, mes recherches actuelles me passionnent. Si vous voulez bien m'excuser. Des vampires? Vraiment? Je suppose que maintenant il se rappelle que je lui avais soumis pas moins de 3 scénarios différents d'extermination de la population par ces abominations. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Je... Mais c'est pas violent, parce... J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Intéressant. Je ne sais pas trop à quoi il pourrait leur servir, mais Isran a probablement raison d'être pessimiste cette fois. Très bien. J'ai tout à gagner à en savoir plus sur ce qui se passe. Je pourrais me défendre plus efficacement comme ça. Mais pas question d'abandonner mes travaux en cours, ils sont trop importants. Il me faut au moins un gyrostate d'Ouemer. Si vous en avez un sur vous, je suis preneuse. Sinon, il va nous falloir retrouver ce satané sac. C'est quoi un gyrostate? Oh putain, ils font chier. Désolé. Mais je ne peux pas partir sans au moins un gyrostate d'Ouemer comme preuve de mes efforts. Je comprends bien, mais je ne peux vraiment pas partir bredouille. Il me faut au moins un engrenage d'Ouemer en état de marche. Un simple gyrostate ferait l'affaire. Croyez-moi, ces petits gadgets sont très utiles. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de rester ici. Très bien. Il est où ton sac à main, Bolos? Pourquoi des Vazar en aurait-il appris ma sacoche? Ah oui, les crabes. À la prochaine fois. Bon, elle est où ta sacoche, là? Encore un gyrostate. Je comprends bien. Un simple gyrostate ferait l'affaire. Croyez-moi. J'en ai marre. J'ai bien compris. Tes gadgets sont très utiles. Bon, je vais aller voir l'autre taré parce que sinon... Sinon, je vais mettre debout. J'en trouve un, je te prends. Recruter Gunmer. Allez, go. Oh, j'ai sauté. Waouh. Très dur. Tombant. J'aime bien sa cape. J'aime pas sa tête. Sa cape est classe. Vous là, un instant. Je traque cet ours depuis bientôt 2 semaines. Je ne le laisserai pas faire d'autres victimes. Quel ours? Là! Soyez prudent. Il y a un ours féroce en liberté. Ok, il va mourir. C'est un putain de renard.
Soyez prudent. Isran a besoin d'aide? Je n'aurais jamais cru entendre ça un jour. Malheureusement, il est en retard de quelques années. J'ai des choses plus importantes à faire à présent. Et puis, je sais qu'il est capable de se débrouiller seul. Il se fâche avec tout le monde, il me l'a dit lui-même. Je vois mal en quoi je pourrais lui être utile. Des vampires? Dans ce cas, c'est différent. Expliquez-moi ce qui se passe. Nous ne sommes pas sûrs, je l'ai vu de mes propres yeux, connard. Par les huit. Bon, je vais y réfléchir, d'accord? Mais je ne peux pas laisser cette ours faire d'autres victimes innocentes. Je n'irai pas voir Isran tant que cette menace n'aura pas été neutralisée. Ok, d'accord. On va y aller à l'arbalète. Je vais te le tuer, ton ours, tu vois, un petit peu. Il va chier des Pokéballs. Pas le temps pour ça. Ah, ça les tue. Trop cool. Attends, je vais le tuer. Ça les empoisonne. Ah fuck. En bas après tout. J'aime pas comment elle me regarde. Là on va buter du nounours. Yeah. En fait les araignées sont plus mortelles que le nounours. Putain. Ça après. Salope. Ça? T'es balèze hein. Je vous remercie. Je ne m'en serais peut-être pas sorti aussi bien sans vous. Vous m'avez aidé. La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant. Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendar, je suppose. Évidemment. Il travaille dessus depuis des années, et il ne laisse jamais entrer personne. C'est sa petite forteresse. Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafique depuis tout ce temps. Donc là, bah, je vous retrouverai là-bas. Un engrenage de mes boules à ski. En plus, ma la petite est là. Elle est pas là. On va aller la voir si elle est toujours derrière les barreaux. Pardon. Si vous avez entendu bizarre, c'est moi. Pas fait exprès. Oh.
On fait comment pour sortir de ce merdier? Je sais pas combien ça fait de temps, mais un moment. Par contre, ce qui est bête, c'est qu'il devrait dire oh. Comment elle peut sortir maintenant là? Elle a la chasseuse. Dracoli t'en a assez eu d'attendre. La chariote. Oh, je l'avais jamais vu celui-là. C'est vrai que ça, j'adore. Ah, ça s'accroche à la con qu'elle a perdu cette salope. Est-ce qu'on peut tirer de cheval? Ouais. Comment c'est cool. Non. Oh putain. Putain. Oh mais comment je suis fort. Après il faudrait que je recrute encore Ella. Car oui, heureusement que c'est bien fait ça, parce que sinon j'aurais mon stuff que je lui ai donné, bah je l'aurais plus déjà. Et, bah, plus jamais pu l'avoir. C'est bien fait. Donc elle s'est barrée, elle a bien fait, car car j'étais plus là. Finalement j'ai eu. Bah il est là ce putain de sacoche. Quel beau. Et dire que je me suis fait chier. Désolé, ce petit lag. Parce que c'est bon la sacoche. Pourquoi des vasards en aurait-il après ma sacoche? Je comprends bien, mais je ne peux vraiment pas partir bredouille. Il me faut au moins un engrenage d'Ouémer en état de marche. Un simple gyrostat ferait l'affaire. Croyez-moi, ces petits gadgets sont très utiles. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me sera très utile pour certaines de mes recherches. Dites-moi où m'attend Isran. Ah, toujours obsédé par son repère secret, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir si ses travaux ont avancé. Je vous rejoindrai là-bas dès que j'en aurai terminé ici. Donc, à plus on tard. Va terminer la quête et bah, je vous suis sur ce qu'on va, se dire au revoir et à la prochaine. Ça, c'est tellement. Donc voilà, ça c'est le cristal de Stendhal. C'est le Crystal Lucender. Ça fait que bah, c'est de la merde. Donc et en fait, ils sont juste en train de leur chier dessus. En disant ouais, c'est des nuls, ils savent pas jouer. Donc le truc que j'attends le plus d'ici 2013, c'est pas The Last of Us, c'est pas Tomb Raider. C'est The Elder Scrolls Online. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être violent. Ça va être tellement violent. Ouais, le gros bug. Putain, je vais t'aider. C'est bien qu'il m'en donne un petit peu.
sur sa chope comme ça, tu sais. Ouais. Bien sur le coup, c'est une extension de Skyrim, ça vaut le coup, mais cher. Bon, nous sommes tous là, Iceman. Qu'y a-t-il? Ne bougez plus! Qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires. On n'est jamais trop prudent. Bienvenue au fort de la garde de l'aube. Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis. Ce sont des vampires, d'une puissance encore jamais vue. Et ils ont un parchemin des anciens. Si quelqu'un doit les arrêter, ce sera nous. Tout cela est bien beau, mais que savons-nous de leurs activités? Et que pouvons-nous faire pour les contrer? Nous y viendrons. Pour le moment, habituez-vous à l'espace. Sorin, vous devriez avoir la place de continuer à travailler sur votre projet d'arbalète. Gunmar, vous aurez suffisamment d'espace pour parquer quelques trolls dans l'enclos et les équiper d'une armure. Pendant ce temps, nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici. Et si nous allions lui toucher deux mots? Voilà. Sympathique endroit, pas vrai? Ouais. J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas un type facile. Ouais. C'est comme tout, hein. Comme les trolls, hein, ça se dompte. Oh, oh, ça me plaît. Oui, je voulais chercher des munitions, mais je n'ai pas trouvé. On va bien. C'est pas tellement bon. Pas déconner. Bon bah je crois que c'est sur ceci qu'on va se quitter, donc salut à tous. Je vous retrouverai sans doute avec Ella la prochaine fois.